camarades qui, ensemble avec moi, nous décidaient pour créer le mouvement libérateur. Le père leader du parti, c'est la direction collégiale. Sheila est la présidente, parce qu'il disait, elle est quand même qui préside les travaux du parti. Pour pas hiérarchiser comme les autres, c'est ça l'élément de nouveauté qui doit être. Donc l'appel qu'il m'a fait, c'est au ralliement de la jeunesse guéguenne. L'appel qu'il m'a fait, c'est de l'unité des militants derrière nous. Si vous trouvez moi là aujourd'hui, c'est parce qu'il me energise, me inspire par sa la jeunesse qui me connaît pendant des années. Tout le temps, je travaille dans elle. Donc, je connais pas d'aspirations, je connais pas d'expectations. Je connais pas d'appeler bien qu'il n'y a pas qu'il y a du monde parce qu'il me lance tout le temps. Nous tous ensemble, aujourd'hui, nous pouvons réaliser que le pays va mal. Le pays est sans vision, est sans direction. Les sans gestion. Une des premières affaires qu'il nous faut faire, c'est obliger un démandat seulement. Du point de réduction de votre ministère pour au moins deux. Et notre beaucoup ministère, il est plus qu'un. Nous pouvons make sure qu'il nous pousse slash, nous pouvons diminuer tout salaire, tout votre ministre, premier ministre, président, pour au moins un gars, et nous pouvons servir ça leurs en là pour avoir un fonds pour construire la case pour votre pauvre, tout de suite. La dictature infinie installée dans le pays, et ça me vous explique bien qui vient de et nous avons tonton Makout partout qui peut faire un zen gaïpéa. Saurais me dire ça, mais dit la vérité, parce que nous avons un zen qui est supposé venir aujourd'hui, avec nous là, qui dit nous, je ne pas pour qu'on venir parce que si je suis là, je ne pas pour qu'on travail, et puis je ne suis pas pour qu'on travail, etc. Ça va une menace là, là. Ou peut-être au sein de la démocratie, me convaincu qu'il nous pourrait ici. Parce que premièrement, mais dans l'éthique, nous ne pas nous des bouts. Moi, chez la Benoît, jamais me rendre bout avec quelqu'un. Right? Ça m'a manqué garder. Et jamais me rendre bout aussi. Ça, c'est moi, c'est chez la Benoît. Quand on peut nous rendre des bouts, et on a une éthique, et on vit être un role model pour la jeunesse mauricienne, ou vous êtes capable de lire par exemple. Ou diamant, on des attendait un programme pareil. Monsieur, ça met un des attentes qui gagne Mindjéou, qui quand il prend le pouvoir, il peut venir comme salaire ministre, ex-salaire premier ministre, ex-salaire président, premier affaires. Des mandats pour des attentes, ça ou bien dire mon des attentes, ça pas d'affaires, là, ça met un temps de. Moi, pas connu que tout le temps, là, moi, mais moi, pas un temps de. Est-ce qu'il y a une intention pour présenter 60 candidats dans la prochaine élection générale? Évidemment, s'il y a l'unité de l'opposition, il n'est pas capable qu'il présente 60 candidats. Parce qu'il y a l'unité de l'opposition avec un parti qui est à 60, il n'est pas possible. Donc, attache-moi à travail pour être l'unité de l'opposition. Moi, pour faire, moi, fin, joindre les leaders du RSM, moi, pour joindre les leaders du PNSD, afin qu'ils nous guettent, qui manière nous capables d'élaborer un programme commun de gouvernement. Et vous pas pour dire aux autres, elle signe un papier timbré à moi, ou pour me dire, mais tout ça là, pas écrit. Est-ce que vous prenez un candidat à l'Euro 19? Ça passe avec un peu Béranger. Et ça, mon assez ridiculise Béranger. Béranger préfère, il parle même bien, bien, correct. Mais est-ce qu'il m'a pas un candidat numéro 19? De moi, une seule idée là. C'est le seul mouvement, par rapport à tous les mouvements qui nous peut trouver, nous peut retrouver, etc. C'est le seul mouvement qui peut venir avec un programme qui est vraiment basé sur les droits humains, on human rights, et qui propose à faire la politique autrement et surtout avec le principe de ethical governance. Et moi, en tant que jeune, me trouver que la politique, c'est pas quelque chose qui. C'est plutôt une perception qui est pas bonne. Parce qu'ils nous fatiguent avec ça, la fait qu'appelle de dire politique. Et ça, mouvement-là, il est vraiment libre de nous à une plateforme qui est pour la bonne principe là-dedans, pour la bonne valeur morale qui est vraiment pour. Et me trouver que sa partie-là, c'est là qu'il peut vraiment faire la politique propre. Aujourd'hui, c'est un grand jour, le 14 juin 2014, nous célébrons naissance d'un nouveau parti. Un nouveau parti qui amène l'espoir dans nos pays. Je pense que beaucoup de jeunes retrouvent même l'espoir qu'ils m'ont trouvé. Alors, je pense que cette partie-là pour amener une réforme dans le sens qui pourrait permettre de nous servir toutes nos ressources pour nous aller devant dans le pays.